A drop in the ocean, a change in the weather. I was praying that you would leave my end together. Sí, kawaii, pas assiste à faire. Donc, aujourd'hui, c'est juste une vidéo tutoriel. Et aussi, pour dire qu'on va, recontinuer notre chaîne YouTube. Moi et ma sœur seulement, donc, ouais. Alors, moi, je suis Alice Cutemix, mais je vais changer de nom. Et ouais. Donc, aujourd'hui, c'est un tutoriel comment faire une bannière YouTube comme celle-là. Donc, ouais. On peut commencer. Alors vous allez dans Google et vous tapez PicMonkey. C'est un site de photo éditeur et c'est très utile. Donc après vous allez dans Design, vous allez faire Custom Size. Et dans les sizes, le premier truc que vous faites 2560 et le deuxième c'est 423. Vous faites. Et voilà, donc ça serait comme la base. Vous pouvez genre mettre n'importe quoi dessus, comme d'abord on va faire le fond d'écran. Vous pouvez en fait mettre n'importe quoi, vous voulez vraiment. C'est pas vraiment écrire quoi faire. Donc, moi je vais faire ma bannière YouTube de ma chaîne, donc vous pouvez y aller vous abonner dans. Ouais. Misplaced trust in old friends, never counting regrets. By the grace of God, I do not rest at all. In New England, as the leaves change, the last excuse that I'll claim, I was a boy who loved a woman like a little girl. And still, I can't let you be. Most nights, I hardly sleep. Don't seek what you don't need from me. Après que vous avez fini, vous allez juste save et après quand vous avez vu, juste save tout comme il est, après mettre dans le dossier, voilà. Donc après vous allez encore dans le site PicMonkey, voilà. Après vous allez dans Design, non, vous allez dans Google, après vous cherchez un banner YouTube, l'original, celui-là. Après vous l'enregistrez. Après, vous allez juste aller sur Edit, Computer, et après, vous cherchez votre image de bannière. Après, ça va vous donner ça. Donc, après, vous allez dans le papillon. Le papillon, c'est pour mettre les images. Et vous allez prendre votre bannière celui-là. Après, vous allez comme le mettre. Sur les trucs, vous allez juste agrandir la taille, après vous genre faites comme ça. Donc après vous allez aller dans Effect, vous allez tout en bas, avant que vous trouvez une image avec des crayons. Celui-là, tu vois, vous allez cliquer, vous allez prendre n'importe quelle couleur que vous voulez vraiment. Oh, oui. Après vous le mettez partout. Le blanc et puis voilà. Donc, vous pouvez aussi mettre des couleurs. Comme ça. Ça en haut. Et ça en bas. Alors vous allez passer, vous allez faire la même chose. Hein. Vous allez enregistrer. Et voilà. Maintenant vous allez juste aller dans votre compte. Voilà, ça c'est mon corps, j'ai changé d'image. Vous allez faire modifier la situation. Et vous allez prendre votre bannière. Attendre que ça charge et après voilà. Vous allez sélectionner puisque c'est déjà comme fait. Et voilà. Voilà comment faire une bannière YouTube. Alors j'espère que vous avez aimé cette vidéo là. N'oubliez pas de vous abonner. Maintenant, on a 35 abonnés là. Et je suis vraiment contente. On a plus de 5000 vues. Alors, je pense que ma soeur va poster la vidéo comment ça se passe dans une gamme. Donc, je crois. Je suis pas sûre. Donc, ouais. Et j'ai vu que ça, c'était la vidéo la plus vue. Donc, ouais. J'espère que cette vidéo vous a aidé à faire votre bannière YouTube. Donc, ouais, donc, merci et bye. It's just a drop in the ocean, a change in the weather. I was praying.